Étienne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à Saint-Malo, enfin Saint-Malo au Mont-Saint-Michel. J'espère que ça va vous plaire. Je tourne l'intro un peu en décalé du début de la vidéo. En fait on est arrivé hier, on est parti des sables vers 19h et au milieu de la route on s'est arrêté pique-niquer pour mon anniversaire avec un petit gazon en dessert, j'ai soufflé mes bougies. Une fois qu'on est arrivé à Saint-Malo, on s'est motivé pour au final bouger. Par chance là il y avait une patinoire pour le 31 décembre qui fermait à 1h du matin. C'était grave chouette. On voulait aller dans un bar après pour fêter la nouvelle année, sauf que impossible de trouver un bar. Largement du coup des copains dans le centre de Saint-Malo. On s'est baladé un peu sur les remparts. Ce midi on a mangé une galette saucisse, donc c'était la première fois que je goûtais ça. J'avais peur de pas trop aimer, mais au final c'était bon avec la moutarde. Franchement pour un premier repas c'était cool. B. C'est écrit BE donc grand B. Mais William, on est sauté un mercredi. On est en vacances, c'est pas le moment de regarder les vagues. Nous on était tout à l'heure. Tout à l'heure on était tout en haut là-bas. On a traversé là-bas et là on voit déjà plus, on peut déjà plus traverser. On a refait le tour des remparts de Saint-Malo et du coup on s'en va direction Dinard. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Dinard? Des grands manoirs, des grandes maisons luxueuses, et puis il y a des petites balades. On y va. Puisqu'on est tous réunis ici, comprends pourquoi son mec bourré préfère danser avec le chien. Tu les utiliseras pour la dernière fois. On vient de se garer. C'était un peu chiant parce que comme on connaît pas, on a un peu tourné en bourrique. Et là on va où? On va inventer notre balade. La plage de Saint-Enoga. La plage de quoi? Saint-Enoga. On a acheté un manoir. M2. Ouais, celui-là. Bienvenue chez moi. De rentrer de Dinard. On devait ressortir pour manger, mais on a vraiment la flemme. Du coup, le programme change. Ça va être taboulé devant un film. Demain, on retourne à Saint-Malo pour faire toute la partie plage qu'on n'a pas faite aujourd'hui. Et après, demain après-midi, on va à Cancale. C'est ma tata qui m'a dit que c'était sympa, du coup, on va voir. En fin d'après-midi, on pourra aller au Mont-Saint-Michel pour récupérer la clé de notre hôtel. Il y en a qui viennent à Saint-Malo. Ou à Dinard, qu'on a trouvé, c'est qu'on peut se garer vers la place Roca Bay. Là, il y a un parking gratuit. Nous, en tout cas, enfin, à cette période, il n'y avait pas full. Et après, la partie intramuros, c'est à 15 minutes de marche, donc ça va. Sinon, à Dinard, on s'est garé vers la plage de Saint-Enoga. Vous marchez, tac, tac, tac. Il y a tous les manoirs, donc hyper stylé. Enfin, c'est trop beau. Et après, soit vous pouvez aller à gauche, soit vous pouvez aller à droite. Et il y a des deux côtés des petits sentiers. C'est sympa, vous baladez à côté de la mer et tout ça.
le lendemain. On est dimanche, c'était l'heure du petit déj. Comme je suis un gros tas, j'ai pris un phare breton. On est retourné dans le centre de Saint-Malo pour acheter des couignettes et pour prendre le petit déj. On s'est baladé de l'autre côté, là, vers la plage du Sillon. Et du coup, là, on va aller vers Cancale pour essayer d'aller à la pointe du... C'est la pointe du Groin. Il y a une petite balade et apparemment, on voit le Mont Saint-Michel au loin. Du coup, voilà, ça va être stylé. C'est parti pour une heure de randonnée. On va jusqu'à la pointe du Groin à pied. T'es content? Moi oui. Moi aussi. Bon app. On est arrivé à une autre pointe où on s'est arrêté pique-niquer et en mode après on a regardé GPS et il restait encore des heures de marche. Du coup on va y aller en voiture, ce sera plus simple et après on pourra aller au Mont Saint-Michel. Sinon ça nous prenait, enfin je pense que ce soir on y était encore à faire le retour. Michel vient de se garer, il y a des parkings 24h, du coup là faut qu'on marche, enfin il y a des navettes mais on préfère marcher, du coup il y en a pour 30 minutes. Arrivé au Mont Saint-Michel, j'ai pas trop filmé cet après-midi. En fait, on n'a pas fait grand-chose, le temps de faire la route. On est juste allé visiter l'abbaye. C'est gratuit le premier dimanche de chaque mois. Et de toute façon, pour s'il y en a qui viennent, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Voilà. Et après, on s'est baladé un petit peu. On a essayé de trouver des restaurants pour ce soir. Normalement, ce sera moule frites si on trouve un restaurant qui est ouvert le soir parce qu'il y en a qui ferment à 18h. Et demain, on va faire le tour du Mont Saint-Michel. Balader dans le Mont Saint-Michel. C'est toujours les mêmes menus dans tous les restaurants du Mont Saint-Michel, c'est chelou, non ?
William, t'as un point en moins sur le permis piéton. T'as grillé le feu. Voilà, c'est la fin du week-end. J'ai essayé de filmer ce que je pouvais. J'ai pas tout filmé parce que j'ai quand même profité de mon week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut !